Bon, salut tout le monde. Alors, avant de démarrer la journée, la première chose à faire quand tu démarres un chantier, tu vois, c'est de te mettre en place, ne pas oublier la cafetière pour le petit café. Johan, il est extrêmement gentil, tu vois, il aime bien préparer le petit café. Et tu vois, regarde comment on est en place, la petite table, l'escabeau pour couper, la petite... c'est un pur bonheur. Là, au moins, tu es en confiance et tu as envie de travailler, quoi. Bon, bah, allez, la petite pause café, elle s'impose, c'est tout de suite. Alors on commence par le ponçage du sol, en fait, tout simplement pour enlever les bavures. Là on utilise une ponceuse à sol où dessus tu as des plateaux interchangeables. Il y a 5 disques diamants dessus de chez Sidamo, c'est les versions boomerang. Et en fait ça permet d'enlever les catholes, tout ça, et de mettre un support assez propre. Bien sûr, une fois que tu as fini, bah, tu aspires. Le balai ne fait pas tout, il faut vraiment aspirer pour vraiment dépoussiérer et que ce soit propre. Et là, on va te faire voir en plus. Bon, on le fait pas d'habitude, c'est juste pour te faire voir que cet aspirateur, c'est vraiment une tuerie. Regarde ce qui reste en merde. Alors là, bien sûr, on s'amuse, c'est vraiment pour le fun. On va vous tester un peu la puissance de l'aspirateur. Vas-y, mon Jojo, avale ! En même temps, on les pousse à bout. Hein. Non, c'est vraiment pour te montrer que ça aspire. Alors ensuite, on prépare le primaire qu'on va passer pour bloquer le support et qu'il y ait une meilleure accroche. Et là, on passe en mode accéléré. Donc là, on va partir sur une pose. C'est une pièce qui est simple, elle est rectangle et longue. À savoir que ça va être des bureaux. On va partir en fait à l'axe, tu vois. Et là, tu as une porte d'entrée. Donc en fait, on va partir entier à la porte d'entrée. Et on va partir accès à la pièce, tout simplement, pour qu'on puisse distribuer les coupes. Il y aura une coupe 3 quarts là et 3 quarts là. Et la petite coupe, quand on va partir de la porte d'entrée, elle va se terminer au fond. Après, on s'en fiche, c'est des bureaux. Donc, il vaut mieux privilégier la porte d'entrée et terminer au fond. Alors, surtout qu'au fond, je pense qu'il va y avoir plein de bibliothèques, tu sais, où ils mettent toutes les archives. Donc, voilà, on a pris cette solution. À savoir qu'il y a deux solutions aussi au niveau de l'axe. Regarde, je te montre. Donc, tu vois, comme je te l'expliquais, il y a deux types de démarrage, en fait. Là, on prend sur celui-là parce qu'on va arriver avec un 3 quarts. Mais tu peux aussi partir si vraiment là t'arrivais avec une petite en partant de l'axe. Après tu prends le centre de ton carreau que tu réaxes à l'axe de ta pièce, si tu m'as compris. Et ensuite là tu auras forcément une coupe plus grande que la moitié. C'est comme ça, c'est mathématique. Du moment que tu as une petite coupe là, et ben, si tu pars avec l'autre à cheval sur l'axe, tu auras forcément une coupe qui fasse 3 quarts ici au moins. Et il faut toujours privilégier tes coupes sur côté, il faut que tu aies toujours une coupe, une grande coupe qu'une petite coupe, sinon c'est pas beau. Donc là, tu vois, on vient de palasser les règles. On est parti carreau, ça c'est l'axe ici. Bon, il n'est pas tracé, mais c'est l'axe. On s'arrête 40 là. On a laissé à peu près 3 carreaux parce que tu vois, quand on va peigner, ça va trop nous faire tirer sur le dos s'il y a plus de 90. Déjà 90, ça fait tirer. On a tiré un coup de bleu et en fait, tout simplement, on a mis des règles de 3 mètres. On vient les caler avec des paquets de carreaux. Et pour maintenir les règles alignées quand même pour qu'elles soient propres, tu vois, on se resserre d'une règle de 4 mètres pour venir aligner nos règles, tu vois, tout simplement pour qu'on soit sûr que l'on ne se torde pas. Donc ensuite, tu viens reporter ton équerrage, tu vois, on part entier à la porte d'entrée. On a reporté notre laser au niveau de l'équerrage, donc c'est-à-dire aligné à notre règle, tu vois. Et on sera d'équerre à la porte d'entrée. Là, tu vois, on a 25 ici, je viens de mesurer, et on a 25 ici. Donc le plaquiste a bien travaillé. Alors c'est parti, on malaxe la colle. Là, c'est la Colimix Premium de chez VPI, c'est une C2 tout simplement. Et c'est parti pour l'encollage au sol, là ici avec un pen de 10 mm. Là tu vois, tu nettoies bien ta règle. Et c'est parti, tu vois, il y a un petit repère sur la règle où je commence à poser. Parce que j'ai fait mon traçage au départ. Ensuite le petit croisillon, 4 mm ici. Là tu vois, regarde, je pars de l'angle en fait, tout simplement, hop, regarde là, et là je vais pousser, tu vois, un petit peu pour que la colle dessous elle se noie bien, en fait, tout simplement, hop, je pousse pour que la colle elle se noie, et je préfère faire comme ça parce que si tu mets ton croisillon avant, du coup, eh ben, tu vas venir, tu pourras pas bouger ton carreau, tu risques de mettre de la colle contre ton croisillon, c'est là que tu te fais flic après, où ça se décale tout,
et tu te fais chier. Donc si tu peux faire comme ça, c'est quand même mieux. Là, je prends la cote, tu vois. Je regarde si c'est la même en face. Et c'est parti avec la petite rubis. Alors celle-là, ça fait 20 ans que je l'ai. Et tu vois, j'ai bon, à part changer la molette, je te dis que ça taille vraiment. Tu vois, ça se coupe assez facilement et c'est un glacéram plein de masse. Hein. Alors tu vois, quand on colle, regarde, il faut tenir ton peigne au moins 45 degrés. Plus tu vas le tenir droit, plus tes dents de carrelage seront respectées. Bon, en fait, en même temps, tu peux me poser des questions, mais bon, en fait, non, tu peux pas me les poser parce que je suis en train de filmer et que t'es pas en train de regarder la vidéo. Donc tu vois, regarde, l'encollage, faut qu'il soit propre. Et si j'essaie de répondre à des questions que vous pourriez me poser, donc pourquoi on pose pas au Pavilift ici? Parce que c'est du 30-30 et c'est un béton qui est relativement plat. Le Pavilift, je le conseille à partir du 45-45. Là, on est sur un peigne de 10 mm. Tu vois, pour du 30-30, c'est suffisant. On pourrait même passer avec du 8. Mais tu vois, le béton, il a quand même un petit peu d'irrégularité. Et je conseille plutôt le 10 parce que je trouve qu'on a une mise en colle qui est un peu plus épaisse. Et tu vois, pour travailler ton carreau, c'est beaucoup mieux. Après, tu vois, là, on est vraiment sur une pose croisillon, croisillon standard 4 mm. Sur du 30-30, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te dire? Johan, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Rien. Allez, on continue. Alors là, c'est comme la pose des carrelages que je t'ai fait voir d'habitude. Toujours avoir ton encollage, tu sais, assez régulier. Pas faire, tu sais, des vagues comme ça. Parce qu'après, t'auras du mal à faire passer l'air. Donc tu vois, tu le tiens droit. Ah, tu vois, on a même tracé un petit coup de bleu pour pas dépasser. Comme ça, au moins, t'es pas là avec ta spatule après à tourner. Tu vois, tu passes grossièrement et ensuite tu remets un coup. Et voilà, là t'as un encollage qui est nickel. Alors par contre, pour faire un super encollage, bah, il te faut des peignes Cinamo. Hein. Mais non, tu prends n'importe quel peigne. Un petit détail aussi, tu vois, je voulais te montrer comment on fait avec Joanne aussi pour ton encollage pour pas t'emmerder par la suite. Alors tu sais, deux rangs, ça fait 60 en fait. Donc tout simplement, regarde, j'essaie de tourner la caméra. Donc là, je fais deux repères, tu vois. Enfin, j'en fais deux parce que j'en prépare à l'avance. Tu vois, je fais un trait à 60, un trait à 120. Mais pareil de l'autre côté, là-bas, on va mettre un coup de bleu. Un petit traçage au bleu, hop, tu le lèves. Et tu peux même t'en resservir, tu vois, juste pour faire le deuxième. Et tu vois, comme ça, eh ben, quand t'encolles, tu dépasses pas. Tu tiens et regarde après, ça en dépasse pas trop et... T'as très peur à clé, tu gagnes du temps. Comme ça, si t'es pressé et que tu dois partir le soir, eh ben, au moins t'as pas 15 mètres carrés à ramasser en colle. Ah non, pas 15 mètres carrés. Et ouais, toujours le premier pour faire le mariole. Alors ce petit chariot, franchement, ça va vraiment bien. Parce que tu vois, on met tout sur chariot, que ce soit la colle et les carreaux, c'est beaucoup plus pratique. Petite accélération, car là, on est à la bourre. Ah, c'est vrai que c'est beau l'encollage quand il est bien fait. Bon, et puis je sais pas si t'as remarqué, mais on met tous les carreaux dans le même sens. Regarde, il y a un veinage et on fait suivre le veinage. Déjà parce que tu te cartes moins au niveau des joints quand tu respectes le sens du carreau. T'as vu un peu cette organisation? Mais c'est beau! Alors là aussi, tu vois, pour les coupes, moi je fais une implantation à sec. Je les pose à sec. Comme ça, pour prendre tes cotes, t'as plus le temps de travailler comme il faut. Que si tu passes toute ta colle avant et qu'après tu viens essayer de faire ton traçage et que tu n'y arrives pas, ta colle elle va sécher, du coup tu vas être obligé de tout racler. Donc quand t'as un passage de tuyau comme ça, tu vois, tu fais tout à sec, c'est le mieux. Je vais venir, tu vois, tracer celle-là. Tu sais que t'as ces deux repères, déjà. Hop, tu les reportes. Et là, cette cote... Tu vois, soit tu la prends, bah là on peut la prendre comme ça, tu vois, elle va là. Tu peux la prendre comme ça, sinon si tu peux pas, tu tournes ton carreau, tu viens taper contre et tu vas faire ton trait ici. Là, ensuite, un petit coup de trait. Le mieux c'est toujours d'avoir une chute de PVC, on n'en a pas là. Donc tu vois, regarde, on prend ça, on a le rouleau de scotch qui est pile poil parfait pour faire la coupe. Donc vu que ça dépasse un peu, tu fais dépasser un petit peu sur le pourtour partout.
et tu as une belle petite coupe ronde. Bon, maintenant on va passer à la découpe. Allez, c'est parti, on sort les machines de guerre. Alors, faut pas oublier les EPI, bien sûr. Bah, là, malheureusement, j'ai pas les gants. Pour moi, il est difficile de travailler avec les gants, mais j'ai toujours le casque et les lunettes. Alors, tu vois, là, j'utilise la... Pas pour leur faire de la pub, mais j'utilise la GWS 125SC de chez Bosch. Et tu vois, elle est à batterie. Et franchement, ça va très bien pour découper le carrelage. Hein, c'est assez puissant et tout. Alors, tu remarqueras que j'ai toujours le pouce ou l'index qui tient la meuleuse. C'est tout simplement pour éviter la vibration et maintenir ta meuleuse vraiment précise. Et là, tu vois, bah, je termine avec la tenaille. Donc ensuite, une fois que la pose est finie et qu'elle est sèche, et ben là, tu vois, on est en train de finir, on fait la colle rapide parce qu'on va tout jointer aujourd'hui. Tu vois, et ben bien sûr, quand il y a des croisions qui dépassent... Attends, je vais tourner l'écran. Quand tu as des croisions qui dépassent comme ça, tu vois, tu les enlèves. Hein. Tu vas pas me laisser ça dans les joints. Et puis voilà, tu les enlèves. Et puis, il y a des endroits, tu vois, j'ai vu aussi, aller pour te montrer, parce que nous aussi, ça nous arrive de faire un petit peu des petites catholes. Regarde, tu vois, là, il y a un peu de colle. Tu prends une lame de cutter, c'est du graisse rempli de masse, donc tu ne veux pas l'abîmer. Tu vois, un petit coup de cutter, un coup d'aspirateur à la fin, et t'es nickel. Ça, tu vois, c'est comme la préparation. Plus tu vas être propre dans ton travail, hein, Johan, hein, parce que voilà. Johan, lui, il est à quatre pattes, hein, en train de finir le mosé. Plus tu vas être propre dans ta préparation, et moins tu te fais flic par la suite. C'est exactement pareil quand tu prépares ton support. Et ben avant de préparer tes joints, avant de couler, attends, j'avance, hop, avant de couler tes joints, tu grattes bien toute la colle qui dépasse, t'enlèves les croisillons qui sont à ras, tous ceux qui sont enfoncés dans la colle. Il n'y a pas de souci parce que regarde, tu vois le croisillon comme il est fait, il a des trous. En fait, tout simplement parce qu'il va venir se noyer dans la colle. Où c'est que je regarde? Hop, il va se noyer dans la colle. Et ça, c'est pas dérangeant. Mais voilà, si t'as de la colle qui a bavé ou que t'as lissé avec le doigt, une fois sec ou à la rigueur, eh ben, tu prends ton éponge avant et un petit coup d'éponge. Donc voilà. Allez, maintenant, on va passer sur les joints. Bon, là, on attaque les joints. Alors, tu vois, regarde la consistance du joint. Hop. Et là, tu le fais un petit peu... regarde. Tu le fais un petit peu pâteux, un petit peu moelleux. Il est, comment dire, comme une... comment on peut dire ça? Comme une pâte... Comme un yaourt, comme une pâte à pain. Donc voilà, et regarde donc comment on le passe. En fait, il y a plusieurs façons de le passer. Là, Johan, il aime bien faire comme ça, donc là, je laisse Johan faire. Et là, tu vois, il le passe comme ça, en fait. Comme ça, il bourre bien. Avant, on le passait à la raclette, on faisait vachement liquide. Et on le passait à la raclette et on venait le nettoyer à la fin, une fois qu'il avait séché, on mettait de la sciure. Et on venait le frotter la sciure, mais franchement, c'était... Enfin, et ça, elle est pas mal hein, pour l'époque, mais maintenant, du coup, on fait comme ça, tu vois. Là, on le remplit tout au petit platoir. On le laisse sécher un petit peu, tu verras, puis je vais faire un petit peu sur la suite comment on fait. Regardez comme il a le coup de main, Johan. Regarde-moi ça. Je vais pas trop le filmer, il est torse nu. Rentre le ventre, Johan. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est joli aussi, hein, comme ça, Johan, le carreau. Alors à surtout ne pas faire, j'ai vu une vidéo qui courait sur YouTube. Il y a un gars, il a fait des joints, mais elle est vieille la vidéo, par contre elle a je sais pas combien de milliers de vues. Il fait le joint comme ça, tu vois, il revient le lendemain. Et ensuite il prend une perceuse avec un, comment ça s'appelle, tu sais, une toupie en brosse métallique. Et il vient frotter tous ses carreaux à la brosse métallique. Alors ça faut à bannir, à ne pas faire, parce que sinon là ton carreau il est mort. Hein. Là, tu vois, ça a nettoyé dans la demi-heure qui suit ton joint. Faut jamais attendre une journée. Donc là, tu vois, ça vient de sécher. Regarde, tu vois, je sais pas si on le voit, le carreau, il a blanchi un peu, regarde. Tu vois, ça fait un petit peu blanc. Et le joint, il devient assez pâteux pour pas qu'il creuse trop quand on le lave. Faut pas qu'il soit trop dur parce que là, après, sinon, tu peux plus nettoyer ton carreau. Et regarde, donc Johan, là, il a commencé. Donc là, il l'a fini propre. Donc tu l'émulsionnes un peu. Enfin, ce qu'on appelle émulsionner, c'est que tu prends une éponge. Et tu vois, regarde, on émulsionne, on le tourne, on le nettoie. En fait, pour bien finir de le bourrer et enlever le surplus. Tout simplement, alors faut bien rincer ton éponge. Hein. Là, tu vois, il n'y a pas d'eau. Là où il met la main, tu vois, il n'y a pas de flaque. Ou... Donc, tu l'émulsionnes un coup comme ça. Le mec qui attend pour filmer. Et Johan, s'il veut nous faire plaisir, il va repasser un petit coup pour te montrer après quand tu le rinces. Regarde bien le mouvement. Hein. Regarde bien le mouvement, c'est comme ça que tu apprends. Et là, ensuite, tu viens rincer tout en diagonale.
parce que si tu tires droit, tu vas creuser ton joint. Tu vois, regarde comme c'est beau. Hein, mesdames, hein, prenez exemple sur nous, les hommes, qui nettoyons les sols. Le mec est toujours en train de raconter des conneries. Donc tu vois, tu viens tirer en diagonale et regarde le joint comme il est nickel. Ça te fait des super beaux joints. Allez, un dernier passage pour le plaisir. Là, c'est le silence. On n'a même pas envie de parler. Donc une fois fini, tu vois, regarde une fois que c'est sec, et bien regarde le carreau. Il est propre. Alors il se peut que ça fasse une petite nuance, tu sais, de qu'on appelle ça, c'est de la laitance de ciment. Alors soit si t'es pro comme nous, on sait redonner un petit coup derrière sans creuser le joint, on attend que ça ressèche un peu, puis on met un coup d'eau propre et c'est nickel. Si t'es particulier ou même de toute façon si t'es pro, c'est un petit conseil, c'est que le lendemain, t'attends le lendemain, si c'est vraiment un léger voile, je sais pas si on voit sur la vidéo, non, parce que là il est vraiment propre car on l'a laissé propre. Dans un seau de 5 litres, dans un seau d'eau chaude, tu mets de l'eau bien chaude, tu mets un verre et demi, deux verres de vinaigre blanc. Et après tu laves ton calage et tu verras ça. C'est nickel, ton carreau il va être super propre. Donc voilà, c'était la petite vidéo tuto je pense. Et je me suis dit ça pourrait être une vidéo simple à réaliser ici sur du 30-30 et j'avais un peu plus le temps de vous la présenter. Donc tu vois, regarde, et ben, là on a fini. Il nous restera les plaintes à faire mais ça ce sera pour une prochaine fois. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu parce que c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne et ça nous aide à nous améliorer. Et puis un partage et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi ben, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye, salut. Pas trop tard. On a cassé.